Est-ce que t'aimes ça, jouer dans le bain? Oh, tu peux sortir? Ça sent bien, tu vas être capable. T'es capable de rentrer dedans, mais t'es pas capable de sortir. Va avoir son nom en tête aujourd'hui. Colline, va avoir son nom en tête pour te dire. Bon matin tout le monde! J'espère que ça va bien. On est mardi le 8 mai. C'est le décompte, il me reste 4 jours de travail puis je tombe en vacances. Fait que j'ai vraiment hâte. Tommy, il reste à la maison d'après moi encore aujourd'hui. Parce que si vous avez écouté mon vidéo d'hier, je le montrais, Tommy il a contracté le virus à Zachary. Fait que mon chum, il a le pied main bouche aussi. C'est super le fun. Non, pas vraiment. Il y a vraiment une poussée de boutons dans les paumes de main ce matin. Là. Fait qu'il y a toutes les mains pleines de boutons. Il y en a dans le visage. Il y a eu mal à la gorge aussi. On avait peur que ça soit ça, mais mettons, en fin de semaine, il filait comme so-so, fatigué, mal à la gorge, fièvre. Fait que là, je me disais, ah, arrête là, c'est pas ça, mais oui, il y a plein de boutons partout. Fait que le médecin m'avait dit que c'était super rare que les adultes l'attrapaient. En tout cas, on a la preuve que les adultes peuvent attraper le pied main bouche. Fait que en gros, c'est ça. Moi, je m'en vais travailler aujourd'hui. Puis, il fait super beau. Je suis en pantalon trois quarts, en petite ballerine, en petite chemise. J'ai pas rien. Je suis contente. Ça fait du bien. Les plans d'aujourd'hui, c'est que je vais travailler. J'espère que je vais recevoir mes nouvelles lunettes parce que ça fait à peu près un mois que j'ai comme une lunette payée par le travail. Puis la monture était back-order, fait que là j'ai attendu 2 semaines le temps que la monture soit libre. Après ça on a commandé les lentilles pour mettre dedans. Puis quand je les ai reçues, il y avait un défaut dans les lentilles. Fait que bref, ça fait un petit peu plus qu'un mois que j'ai commandé mes nouvelles lunettes puis je les ai pas encore. Fait que d'après moi, je vais les avoir aujourd'hui ou demain. Fait que ça, j'ai hâte de les voir. Il n'y a rien d'autre en fait de spécial. Là. Fait que là, Tommy aujourd'hui il reste à la maison. Zachary, on l'envoie pas encore à la garderie aujourd'hui, mais il va vraiment mieux. Si ça va bien, demain on devrait l'envoyer pour que justement il aille un peu à la garderie. Si Tommy va mieux aussi, probablement qu'il va retourner travailler demain ou jeudi. Mais le problème c'est que vu qu'il travaille comme dans un bureau, on s'entend que les bureaux, c'est des gros incubateurs à virus. Ça veut dire que si moindrement ils touchent 2-3 affaires, puis il a beau se laver les mains, mais c'est quand même assez virulent comme, comme virus. À date, j'ai de l'air épargné. Pas touché à du bois. Mais pour l'instant, ça va quand même bien. J'espère de pas pogner le virus, parce que ça a l'air vraiment pas agréable. Puis, les plans de ce soir, j'aimerais ça travailler un peu dans mes plates-bandes en avant. Je voulais comme tout enlever, mettre un gazon, puis rien faire. Mais finalement, je me suis dit, ah ben non, je vais laisser les plates-bandes existantes. Je vais juste comme bien les nettoyer, brasser le paillis qui a de l'air d'avoir jamais été bougé de sa vie. Fait que je vais remettre le paillis. Puis, j'ai la maman, mon amie, qui m'a contactée sur Facebook, puis elle a des vivaces. Qu'elle a séparé parce qu'il était rendu trop gros, puis elle veut venir me les donner. Fait
qu'elle devrait passer cette semaine pour venir me les porter. Je pense que c'est des hostas. Ouais. C'est des plantes, dans le fond, avec des longues tiges. Des longues feuilles. Puis ça fait des tiges avec des fleurs au centre. Là. C'est vraiment. C'est beau, ça fait des petites boules. Là. Fait que. Je vais planter ça dans ma plate-bande. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Fait que je vous souhaite de passer une belle journée. Profitez du soleil. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire en regardant à travers la fenêtre. Au moins, mon bureau, il est vitré partout. Oh, j'ai un gros rayon de soleil, hein? Wouhou! Bon. Fait que sur ce... Ah, gars, je vais faire ça. Ta-da! Fait que je souhaite de passer une belle journée. Puis, on se reparle plus tard. Fait chaud, on est bien. J'en profite pour aller marcher sur mon heure de lunch, ma demi-heure en fait. Puis en plus, je suis sur un défi de pas avec un groupe de mamans. Fait que, mettons que j'aimerais ça faire mes pas. Ça fait une couple de jours que. Ben, en fait, j'en fais beaucoup là, mais je la fasse plus. Fait que, on bouge sur l'heure du dîner. Ma marche fait beau! On aime ça! Fait que je reviens du IGA, je reviens du travail. Non, j'ai pas acheté une bouteille d'eau. Fait que Tommy va découvrir en même temps qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai acheté des cornets de crème glacée pour mettre la crème glacée dedans. Regarde! Fait que Zach, il va être content. Hein? Fait que des cornets de crème glacée. J'ai acheté une bouteille de vin rosé pour boire avec notre bavette, parce que j'ai acheté, mais c'est pas des bavettes en fait, j'étais partie au IGA pour acheter des bavettes, mais finalement il y avait en spécial des beefsteak pirates français. Fait que j'en ai acheté trois. En fait, il y en a deux au poivre, puis l'autre, je sais pas c'est à quoi là. Fait qu'on va pas les faire que les trois. S'il en reste, ça va faire la viande pour des lunchs. Puis j'ai acheté des pépites de chocolat parce que je veux faire des muffins ce soir. Wouh! Comme ça. Mi-sucré et blanc. C'est drôle, hein? Ce sac-là, il est au même prix que lui. Mais il y en a plus. Le chocolat blanc, c'est un sac cher. Ouais, mais en tout cas. J'aime mieux le mi-sucré. Ça va donner un bon petit goût dans mes muffins. Fait qu'on va se faire ça. Puis qu'est-ce qu'on mange avec ça? Qu'est-ce qu'on mange? On mange quoi? Est-ce que je fais des frites de patates douces? Mmh. Ça pourrait être bon. Sinon, je peux faire des petites patates... Comment? Sinon, je peux faire des petites patates avec carottes oignons, mais je pense que l'option des frites de patates douces pourrait être bonne. Mmh. Et pitchons cocon. Bon, on va le faire manger. J'ai fait manger mes petites quiches que j'ai faites. Sauf qu'on a mangé, nous, le prosciutto qu'il y avait autour. Il est en train de manger ça. Ah oui? Est-ce que tu veux de l'eau? Il n'y a pas de l'air sûr. C'est-tu bon? Je vais filmer une garçon. Qu'est-ce que tu fais, le casse-cou? C'est parce que ta chaise est sur un train. La zone de guerre. Après le couchage de monsieur. Puis on l'entend pleurer. En fin de semaine, j'ai semé mon gazon. J'ai étalé de la terre aussi. Ce qu'on a fait aussi. Tommy a essayé d'arracher une souche, mais ça n'a pas marché.
puis on avait plein de vieilles poches de terre qui traînaient. Sérieusement, là, ça devait faire genre plusieurs années qui étaient accumulées. Parce que quand je tirais les poches, ben, ils se déchiraient tellement qu'ils étaient secs. Fait que là, j'ai essayé d'égaliser un petit peu le terrain en les mettant là. Puis les poches étaient tellement vides qu'il y avait des nids de fourmis accumulés à l'intérieur, puis déjà des racines. Fait qu'on s'entend que c'était vieux. Fait que là, j'ai mis ça en attendant, mais on va faire venir un voyage de terre la semaine prochaine là, pour mettre la terre ici, 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 tout égaliser. Fait qu'on va faire ça. Là, moi, mon projet pour ce soir, ben, c'est encore de bonheur, c'est que je veux enlever l'arbuste ici et le planter en avant. Puis j'en ai un autre ici. Fait que c'est mon projet. Fait que j'ai planté nos deux amis. Il y en a un ici. On voit qu'il a mangé un petit coup parce qu'il est comme plus plate d'un bord que de l'autre, là, mais on va espérer qu'il fasse une belle boule. Et un autre juste ici. Ils sont vraiment pas beaux. Ils n'ont jamais été entretenus, on dirait. Puis cet hiver, j'ai remarqué que c'est une plante qui n'a pas perdu ses feuilles. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de les garder. Je vais voir de quoi ça a l'air. Ça fait comme des petites fleurs. J'ai hâte de voir de quoi ça a l'air. Puis j'ai coupé pas mal de racines quand que je les ai enlevées. Fait que j'ai comme peur que ça les tue. Mais bon, gars, c'est pas bien grave. Fait que là, il n'y a plus de trop. Hey, t'as-tu vu l'herbe en dessous de ça? C'est dégueulasse. Fait qu'il y en avait un là. Puis l'autre là, c'est par la fenêtre. Fait qu'on va pouvoir égaliser le terrain avec la terre. Parce que là, je sais pas si ça se voit là. Attends, je vais me pencher. Le terrain, il est plus haut à droite qu'à gauche. Fait que ce qui arrive, c'est que toute l'eau se ramasse sur le bord de la maison. Fait que c'est pas bon. Mais tranquillement, pas vite là. J'ai essayé de mettre du gazon, mais il mouille pas. Fait que. On continue. Commence à faire son. Fait que je suis en train de limiter ma ligne. Puis je vais faire une ligne quand même assez droite. Pour faire ça comme ça. Mais ça, je vais travailler ça plus une autre fois. Mais ici, je suis en train de mieux travailler. Fait que là, je mets de la roche. C'est un peu embêtant parce que là, l'affaire, c'est que si je voulais faire une super belle plate-bande, mettons droite avec les escaliers, c'est parce qu'elle viendrait, mettons, ici. Puis c'est pas mal gros. Fait que, on va essayer de la faire comme droite, mais qui courbe comme ça. Fait que, au pire, notre allée, elle va juste agrandir comme ça. Parce que je veux pas avoir une trop grosse plate-bande. Sérieusement, c'est beaucoup trop d'entretien. Fait que, la roche, elle allait jusque là. Fait que là, j'ai comme étiré un peu la terre. Puis là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on mette la roche à la même hauteur. Même un petit peu plus haut. Que la terre, pour pas qu'il y ait trop d'eau qui s'accumule. Fait que c'est pour ça que j'ai quand même creusé pour l'instant, mais on va aller booster tout ça de roche. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté de la fenêtre. Fait que là, je mets la clé dans la porte. En bon québécois, j'arrête ça là. On va aller souper. Il est comme 8h20. Puis on n'a pas mangé. Yeah! On mange. C'était quoi que je t'avais dit? Un steak pirate français. Ouais. Je voulais une bavette, mais ça c'est en spécial. Faut qu'on va goûter. Ok, un petit verre de vin. Bon appétit. Je peux pas de la sauce pour ça. Je peux pas de la sauce pour ça. Oh, tu veux que je fasse une sauce sur les rachats? Ben, ça aurait été bon. Mais... Ok, c'est bon. Ben, je peux en faire une. Ok, je t'arrête de m'installer pour faire une recette de muffins à l'avoine et chocolat. Ok, j'ai trouvé cette recette-là. Je trouve que ça a l'air vraiment bon. C'est sur le set. Ok, on va voir si c'est bon. Il y a l'air d'avoir un petit, une petite garniture sur les dessus. Fait que j'ai fait ça à l'instant. On va voir si c'est bon. Ils s'en vont dans le four pour environ 20 minutes. Quand on fait une recette, on se demande toujours si le résultat va ressembler à la recette. En tout cas, je trouve ça quand même assez ressemblant. Ça a l'air vraiment bon, puis ça sent super bon. Fait que je vais mettre la recette en barre d'informations. Fait que si vous voulez aller voir puis l'essayer, sérieusement, c'était vraiment facile, puis ça a l'air super bon. Fait que ça va faire des muffins pour mon petit Zachary. Fait que... Quoi? Ton chum. Puis mon chum, ben c'est sûr que mon chum va en manger. Puis je suis sûre que mon chum va se faire un
grand plaisir d'écouter dès ce soir, le connaissant. Fait que sur cette vue appétissante, je vous souhaite de passer une belle soirée, une belle journée et on se dit à la prochaine! Bye! Bye!